Le chemin emprunté par la Tunisie a toujours été parsemé d'embûches. Et clairsemé par des femmes de fer, et non par des cruches. Et Habib Bourguiba épousa Wasila, dont le prénom signifie littéralement « le moyen », que son défunt mari a utilisé pour atteindre une fin qu'il n'a jamais atteinte, celle de servir son peuple, tout son peuple, mais rien que son peuple. Et Ben Ali épousa Leila, dont le prénom signifie viscéralement « la nuit », dans laquelle son défunt mari a failli plonger toute la Tunisie pour la vie. La nuit qui a permis à tous les siens d'être vernis, et pour lesquels tous les coups étaient permis. Vol de nuit. Et Qais Saïd épousa Ashraf, dont le prénom signifie spirituellement la plus sainte. Celle qui permettra peut-être à la Tunisie de sauver son honneur avant de sauver les meubles. Comme quoi, dans ce pays, le nom des hommes a souvent été mis en danger par le prénom de leur